à la 11e rue, où nous sommes attirés par la police qui tire dans tous les sens. On est en train de jeter des gaz lacrymogènes dans la pièce où nous nous trouvons cachés. Nous sommes vraiment, nous sommes asphyxiés même. Donc, la police est venue attaquer la permanence sans raison valable. Et nos combattants étaient là, subitement on a vu des jeeps de la police venir, ils ont commencé à tirer en l'air des gaz lacrymogènes. Il y en a même, je crois, des gens qui sont blessés, puisqu'on a vu des gens tomber, on ne sait pas aller à leur secours. Et qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas comprendre ce qui se passe, puisque, vous savez, nous prévoyons une journée ville morte demain. Je crois peut-être que c'est pour essayer d'étouffer l'initiative du parti dans l'Est. Mais sinon, ils sont en train d'attaquer. Je crois même que dans les minutes qui suivent, ils peuvent pénétrer la maison. La 11e rue, les 16e parti. Tous les quartiers, ils mettaient 10e, 11e, nous sommes vraiment encerclés. Et là, nous sommes, je suis dans la fumée des gaz lacrymogènes. Vous étiez en pleine réunion? Ah oui, oh là là, il est en train de suivre quand même, non? Oui. Voilà, la situation n'est pas bonne, nous ne savons pas. D'accord, ça va. ARDC.